Ésaïe chapitre 64, verset 2, nous parle de l'œuvre de Dieu du passé et dit ceci, « Lorsque tu fis des choses redoutables, il aime faire ça, et le pratique, vous devez juste croire que le mal ne va pas pouvoir vous toucher. Que nous n'espérions pas, tu descendis et les montagnes croulèrent devant toi. » Tout s'écroulait alors. Mon frère, quand Dieu descend sur votre vie, ne venez pas à l'église juste pour être un religieux, non. Vous allez perdre votre temps. Venez à l'église pour être un pratiquant de la parole, une personne qui tient Dieu sur le bout de sa langue et qui dit la vérité, qui réprimande le mal. Le mal va s'en aller parce que mon frère, quand Dieu descend, l'ennemi ne supporte pas. Il passe tout par le feu et votre santé s'améliore formidablement, de même que votre paix et votre bonheur. Voyez cette personne qui est allée mieux dans nos réunions. De l'arthrose, pasteur. De l'arthrose. Je n'arrive pas à marcher, je n'ai pas de force dans mes jambes, je n'en avais pas. Comment vous marchiez avant la prière? C'était très lentement. Je boitais un peu. En boitant. À présent, marche normalement. Allez, marche normalement. Venez, on marche normalement. Oh, vous marchez déjà bien, mon ami. À présent, faites une petite course, faites une petite course, faites une petite course. Et là, voyez ça, mes amis. J'ai aimé. Allons par là maintenant. On va courir plus par là. Allons. Voyez cela, mes frères. Ah, de plus, ça lance son talent en l'air, mes amis. Voyez ça. Voyez quelle bonne chose. À présent, on va prier. Père, nous prions pour tous ceux qui demandent ton aide à présent. Je paralyse toute action de l'ennemi dans cette vie et je dis mal. Tu vas sortir à présent. Prends tout ce qui est à toi et disparaît. Le feu de Dieu est en train de descendre et tu vas être brûlé. Au nom de Jésus. Amen.